On est sorti du port et on a traversé l'autoroute qui longe le port pour remonter vers le square Port Saïd. Il y a ce bar que j'aime beaucoup qui s'appelle le Tonton Gilles, qui est une sorte de spot comme ça où il y a pas mal d'intellectuels qui viennent boire des cafés et puis où on te fout une paire royale aussi si t'es une femme. Puis fumer une cigarette, boire un verre tranquille. C'est pas partout ça ? Non, c'est pas partout. Il y a quelques endroits. À un moment donné, il y en avait très peu en fait dans Alger. Là, il y en a un peu plus parce que bon, voilà, mais les choses ont quand même bien évolué. Donc, on est passé devant le musée d'art moderne qui s'appelle le MAMA et qui est, le lieu est magnifique. Ce sont des anciennes galeries coloniales qui ont été bien abandonnées pendant longtemps et qui ont été toutes refaites et plutôt bien d'ailleurs. C'est mon resto préféré à Alger. C'est en fait, bon déjà le tyrolien c'est quand même un peu tiré par les cheveux, tu vois. C'est marrant parce que les restos c'est ouais, le béarnais, le tyrolien, le normand. Tu choisis pas ton menu et il te regarde et il te dit toi tu vas manger ça ce soir. Tu manges que de la viande mais c'est hyper bon. Du coup la ville est assez calme aujourd'hui. La ville est super calme, c'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser. Et voilà, c'est pas du tout normal. Tu vois, c'est pas la normalité d'Alger qui est hyper dense, saturée de klaxons, de gens qui hurlent. Non, là, c'est le vendredi, c'est un peu la paix et c'est bien parce que du coup, ça te permet de voir la ville autrement, de voir les bâtisses, de voir l'architecture. Alors que, en fait, d'habitude, t'es tellement dans une densité que tu regardes où tu mets les pieds. C'est un peu ma. C'est ma journée préférée pour faire des photos ou tourner des trucs, quand c'est possible.